Initialement, il a été construit uniquement pour les besoins en électricité. Et aujourd'hui, on a des besoins en approvisionnement en eau. Donc il faut modifier son utilisation, construire des réseaux de conduite qui sont dimensionnés avec les besoins d'aujourd'hui. On voit que le glacier n'apporte plus d'eau. Et puis on doit s'adapter, mais très rapidement, à cette situation, donc via des projets de stockage. Le projet, c'est acheminer l'eau de trois rivières supplémentaires dans le barrage de Tezier, l'eau de fonte du printemps, fonte des neiges, et puis de pouvoir la réutiliser pour les périodes estivales et les périodes de pénurie. Une commune toute seule ne peut pas régler cette problématique. Sans eau, c'est la fin des paysans, c'est la fin de l'agriculture. Donc c'est décisif pour l'entretien du territoire, pour la sécurité aussi du territoire. Donc c'est quand même stratégiquement très très important.